Ce lundi 8 avril, Benoît Magimel s'est livré à cœur ouvert dans les pages du magazine Télé 7 jours. Au cours de l'échange, l'acteur est notamment revenu sur sa jeunesse et sur ses anciens complexes. Ce mercredi 10 avril, Benoît Magimel signera son grand retour dans les salles obscures en interprétant Abel dans Rosalie, le film de Stéphanie Di Giusto. En pleine promotion pour ce nouveau long métrage, l'acteur de 49 ans a accordé une interview au magazine Télé 7 jours, paru ce lundi 8 avril. L'occasion pour l'ex-compagnon de Juliette Binoche de se confier sur de nombreux sujets personnels, dont sa jeunesse, expliquant qu'il a longtemps été complexé par son corps parce qu'on lui disait qu'il était trop maigre. Je voulais être costaud, j'avais beau manger, je n'arrivais pas à prendre du poids. Donc à l'époque, je bombais le torse pour avoir l'impression d'être fort. J'ai grandi dans un environnement où il fallait l'être pour se faire respecter, a-t-il indiqué. Au cours de l'échange, l'interprète de Momo Groseille dans La vie est un long fleuve tranquille a notamment indiqué que ce complexe avait affecté ses relations sociales, et plus précisément son rapport aux femmes. Ça ne m'a pas empêché d'avoir des histoires d'amour, mais ce n'était pas évident de me dénuder. D'autant plus que j'ai toujours été pudique, a-t-il ajouté, avant de conclure. Heureusement, avec les années, j'ai pris de l'épaisseur. Benoît Magimel, son corps flingué par les régimes. Pour plusieurs de ses rôles, Benoît Magimel a dû suivre des régimes très variés. Alors qu'il pesait 70 kg à 30 ans, comme il l'avait expliqué lors d'une longue interview accordée à Vanity Fair, publiée le 24 janvier, il avait été obligé de prendre plus de 30 kg pour jouer dans La douleur d'Emmanuel Finkiel. Je suis monté à plus de 100 kg, 104 kg. Pour jouer le mec qui mange bien pendant l'occupation, avait-il expliqué. Cette trentaine de kilos supplémentaires a plu à Benoît Magimel. J'ai aimé cette lourdeur, ce rythme plus lent aussi. C'était nouveau, c'était bien pour le cinéma, pour certains rôles, avait-il poursuivi. Mais après quelques temps en surpoids, l'acteur a accepté le rôle d'un homme malade pour le film de son vivant. Pour l'incarner, le comédien a commencé un régime qui l'a amené à 69 kg. Une perte de poids qui n'a pas été sans risque, ça te flingue. Aujourd'hui encore, mon corps est complètement déréglé, désorienté, a reconnu l'artiste de 49 ans.